Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool ou Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 8. Et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de chercher des pièces de puzzle sous des ponts ou dans des grottes. Donc si cette vidéo t'est utile, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite à tous un bon visionnage, let's go! Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir chercher dans plusieurs emplacements après des pièces de puzzle. Les emplacements potentiels que vous allez devoir chercher, je vous les affiche à l'écran. Il y a environ 10 emplacements. Donc je tourne cette vidéo à l'avance, donc je ne sais pas s'il y aura vraiment 10 pièces de puzzle, mais c'est fort possible. Et de toute façon, s'il n'y a pas 10 pièces de puzzle, je referai une vidéo pour vous montrer exactement où sont les pièces de puzzle si c'est pas des spawns aléatoires. Mais en tous les cas, là, je vais vous présenter les 10 emplacements dans cette vidéo. Donc c'est parti, let's go. Le premier emplacement se trouve en dessous de Polar Peak donc, et en dessous de Frosty Flag. Donc juste ici, il y a une petite forêt. Dans cette forêt, il y a déjà une grotte. Donc cette grotte, elle se trouve juste ici. Donc ça, c'est la surface. Vous descendez, hop, comme ceci. Et là, il y aura une petite grotte. Donc dans cette grotte, il y aura une pièce de puzzle qui sera cachée. À mon avis, la pièce de puzzle sera cachée plus ou moins par ici. Ou alors peut-être juste derrière. Mais voilà, vous avez juste à faire un petit tour de la grotte. Elle est toute petite. Je pense que ça ne devrait pas être difficile à trouver. Donc regardez en l'air, regardez partout. Et normalement, ça ne devrait pas être difficile. Surtout que quand c'est des défis comme ça, la pièce fait un petit bruit. Donc si vous mettez le son du jeu, normalement, le son vous indiquera où se trouve cette pièce. Exactement. Donc là maintenant on va passer au deuxième emplacement. Alors le deuxième emplacement se trouve à côté de Lucky Landing, juste sur ce petit pont là. Alors comme il est marqué dans le défi, c'est en dessous d'un pont, donc logiquement elle ne devrait pas se trouver au-dessus, donc vous descendez et là logiquement elle devrait être quelque part par ici en dessous du pont. Donc fiez-vous au son parce que je suis sûr elle fera un petit bruit et ça vous indiquera l'emplacement exact. Donc maintenant on va passer au troisième emplacement. Le troisième emplacement, c'est ce pont-là. Donc, ce pont-là se trouve à côté de Shifty Shaft, juste ici. Alors, le truc de ce pont-là, c'est que, ben, il y a deux possibilités. Soit la pièce de puzzle se trouvera dans les alentours, vraiment tout en dessous, genre par ici, même par ici, ou derrière le pont ou le mur. Ou alors, elle se trouvera tout simplement un tout petit peu plus en hauteur. Donc, vous montez jusque-là. Et elle se trouvera plus ou moins par ici. Donc, voilà, dans ces alentours ici. Donc comme tout à l'heure, hein, vous vous fiez au son et normalement, vous allez pouvoir le trouver assez facilement. Alors maintenant, on va passer au quatrième emplacement. Le quatrième emplacement, c'est une petite grotte qui se trouve à côté de Tilted Tower, donc du côté droit. Donc juste ici, attendez, hop, juste ici, voilà, exactement. Là, vous descendez par ici et normalement, il y a une petite grotte qui se trouve juste en dessous de ce sapin. Donc là, vous descendez juste ici et voilà. Donc là, si la pièce elle y est, ben vous allez la trouver facilement parce que l'endroit il est tellement petit que vous ne pouvez pas la louper. Donc maintenant, on va passer au cinquième emplacement. Alors le cinquième emplacement, c'est dans la grotte qui se trouve dans la sorte de parachute, donc comme vous pouvez le voir ici. Alors le parachute, il se trouve en dessous du bloc, donc juste ici. Et là, vous allez juste à descendre ici et la grotte, elle se trouve juste derrière ces panneaux. Donc là, vous allez tout casser, hein. Vous cassez tout, vous écoutez, voir si la pièce fait pas du bruit. Et là, vous pouvez encore casser et arriver tout au fond de la grotte. Donc là, il faudra vérifier aussi en haut. Donc, quand vous mettez une petite rampe, genre ici, vous pouvez aller en haut. Et là, vous vérifiez si la pièce de puzzle ne s'y trouve pas. Donc maintenant, on va passer au sixième emplacement. Alors, le sixième emplacement se trouve à Lonely Lodge, donc juste ici sur la carte. Et normalement, la grotte, elle se trouve juste ici. Donc, c'est vraiment en dessous. Donc la grotte, elle est vraiment petite. Donc c'est pareil que à côté de Tilted Tower. Vous n'aurez pas de mal à la trouver. Donc si bien sûr, il y en a une ici, elle sera vraiment facile à trouver. Alors maintenant, on va passer au septième emplacement. Alors pour le septième emplacement, il faudra aller en dessous de Lonely Lodge, donc un tout petit peu à côté. Et là, vous avez l'ancienne maison des super-héros. Alors la grotte, elle se trouve juste ici en bas. Donc vous pouvez y aller par là, mais bon, c'est un peu compliqué, vous allez tomber dans le vide. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de rentrer dans la maison. Et vous allez voir qu'il y a un passage direct. Hein. Donc voilà, plus ou moins par ici. Descendez. Voilà. Et là, la grotte, elle se trouvera juste ici. Alors, pareil, vous écoutez, vous regardez, vous analysez un peu le lieu. Donc c'est un petit lieu, donc vous n'allez pas avoir trop de mal à la trouver. Mais ouvrez vos oreilles, comme ça, vous allez l'entendre. C'est sûr, elle fait du bruit, c'est sûr et certain. Alors maintenant, je vais vous montrer le huitième emplacement. Alors le huitième emplacement, c'est le pont que vous voyez juste là. Ce pont-là se trouve à côté de Paradise Palm et en dessous de Retiro, juste ici. Voilà.
Alors là, ça va être un petit peu plus complexe parce que le pont est un peu plus grand. C'est un peu comme un des autres ponts qu'il y avait près de Tilted Tower. Donc il va falloir fouiller à partir d'ici. Donc c'est tout, ce sera toujours en dessous. Hein. Donc ce sera soit ici, peut-être même ici dans cette petite grotte, c'est possible. Alors si elle n'y est pas ici, elle sera soit en face ou soit tout simplement plus bas, donc en dessous derrière ces échafaudages, je vais y arriver. Ou alors ben, derrière ce petit mur ou quoi. Donc, vous vérifiez, vous ouvrez vos oreilles, vous écoutez, vous êtes attentif et normalement vous allez l'entendre logiquement. Alors maintenant je vais passer au 9e emplacement. Le 9e emplacement, il se trouve à Fatal Field, donc juste ici sur la map, voilà, qui se trouve juste ici, hop. Donc au bout de cette petite rivière, il y a une petite grotte, et là, c'est pareil que dans les autres petites grottes, normalement, vous allez la trouver facilement. Donc elle sera peut-être cachée derrière le coffre, donc ouvrez le coffre, cassez-le et regardez derrière. Alors maintenant, je vais vous montrer le dernier et 10e emplacement. Donc le 10e emplacement et le dernier, c'est juste ici, en dessous de ce pont-là, donc je vous mets un pointeur sur la carte, donc c'est en dessous de Paradise Palm, donc en dessous de cette route là. Alors là vous n'avez pas beaucoup de possibilités, hein. C'est juste ici, à mon avis ce sera soit de ce côté là ou alors de ce côté là ou peut-être même au dessus, donc il va peut-être falloir construire une rampe pour essayer d'aller au dessus de vraiment en dessous du pont, donc un petit peu plus au dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était So Cool Mec et ciao. Peace.